Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà leçon 13. La vie chrétienne. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous aurons tous à nous présenter devant Dieu pour être jugés par lui. Romains 14, verset 10. L'époque de Paul, de Luther et de nombreux autres appartient au passé. Ils nous ont passé le flambeau pour que nous nous conformions à la volonté de Jésus et pour que nous fassions notre part dans la mission qu'il nous a confiée. Avoir confiance à 100%. Lisons Genèse 15, verset 6. Genèse 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Il est minuit passé. Jason, un étudiant universitaire, sent qu'il va échouer à son cours de religion. Il a besoin d'aide. Est-il trop tard? Mais il n'a pas l'habitude de téléphoner à son prof, et encore moins à une heure pareille. Mais vers qui d'autre peut-il se tourner? Il ne veut surtout pas échouer à ce cours. N'ayant d'autre choix, il décroche au combiné et appelle son prof. En entendant la voix si posée, si confiante de M. Haskell, il est surpris. Détends-toi, Jason, ça va aller. Fais-moi confiance, je m'en charge. Je vais faire en sorte que tu passes. En cet instant décisif, Jason a deux options. Il peut, premièrement, croire son prof sur parole, ou deuxièmement, continuer à paniquer et, selon toute probabilité, ne pas réussir l'examen. Comme l'étudiant typique, il y va pour l'option 2. Il s'inquiète et stresse à fond jusqu'à la tenue de l'examen prévu dans la matinée. 17 ans plus tard, mon Dieu, je ne suis pas prêt à mourir. Je ne sais que faire, prie Jason, à peine conscient. Dans cet ultime effort, ses larmes coulent sur sa couverture d'hôpital et étouffent sa voix. Comment peut-il trouver la paix en face de la mort? Comment peut-il défaire tout le mal qu'il a fait pendant sa vie? Mon fils, sois en paix, ça va aller. Crois en moi et tu seras sauvé. En cet instant décisif, Jason a deux options. Il peut premièrement croire Dieu sur parole ou deuxièmement finir ses jours dans l'angoisse. Mais cette fois, Jason a choisi la première option. Leçon tirée de l'examen. Lorsque Jason a passé l'examen 17 ans plus tôt, il l'a raté comme il l'avait redouté. Cependant, son camarade juste à côté de lui, ayant écouté le conseil de M. Haskell, ce dernier a pris sa propre copie de l'examen, remplie à la perfection, et y a écrit le nom de cet étudiant en haut de la première page. Contrairement à Jason, cet étudiant a eu 100% simplement parce qu'il a eu confiance en son prof. Dès que nous commençons notre marche chrétienne, nous devons d'abord voir comment Jésus nous a traités. Il a passé notre examen à notre place pour que nous puissions le réussir. Ensuite, de la même manière que M. Haskell voulait que sa classe le découvre, Jésus nous a imputé sa vie parfaite, même si nous ne le méritons pas. Il a écrit notre nom en haut de la première page de son examen parfait, ainsi que la note parfaite. À l'hôpital, Jason a été sauvé parce qu'il a cru Dieu et que cela lui a été imputé à justice. Il a passé le test le plus important qui soit. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage. Remue-ménage.